parcourons l'immense richesse de l'intériorité de Marie-Dominique. La prière en famille. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'il soit aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. L'éducation à la foi passe par la famille. Enseigner à prier est la meilleure façon d'éduquer les enfants à la vie de foi. C'est une manière de les introduire dans la spiritualité, dans une relation d'amour filial avec Dieu en Jésus. Aimer ses enfants, c'est les conduire à Dieu et les aider à vivre en présence de Dieu. Cette expérience de prière, Marie-Dominique l'a bien vécue en famille auprès de ses parents. Grâce à leur témoignage d'une vie simple et enracinée dans la foi, ils surent donner à leurs enfants une éducation à la prière, à voir Dieu présent en tout. C'est ainsi que Marie-Dominique Madjaré acquiert progressivement une foi solide à travers une rencontre personnelle avec le Christ. Marie-Dominique, dès son jeune âge, pose une question très importante à son père. « Papa, que faisait Dieu avant de créer le monde ?» Son père lui répondit, « Dieu s'aimait lui-même, il se contemplait lui-même. » L'éducation à la prière porte Marie-Dominique à devenir à son tour celle qui porte toute sa famille en prière, transformant ainsi sa famille en une petite église domestique. Elle motivait ses frères et sœurs à la prière. N'ayant pas la possibilité d'aller tous les jours à l'église paroissiale, elle donne goût à ses frères et sœurs à goûter à la prière. De cette façon, elle devient la petite catéchiste de la maison. La fenêtre de la chambre de Valponaska de la petite maisonnette familiale est témoin silencieux des temps de ces rencontres, de longues heures de prière, d'un cœur plein d'amour pour le Seigneur. Une petite fenêtre sur le côté ouest de la ferme. Pour Marie-Dominique, elle est comme cet œil de feu qui porte à l'horizon avec amour. À travers la fenêtre de la maisonnette, elle pense, rencontre Jésus contemplé dans le tabernacle de l'église paroissiale. Elle avait l'habitude de conclure ses journées intenses de travail et de sacrifice dans la prière, dans un cœur à cœur avec Jésus. Chaque soir, elle invite ses frères et sœurs à dire le chapelet. La prière, le cœur à cœur avec Jésus nourrit sa force de service dans les travaux de la maison et dans la vigne. La prière vécue dans la famille de Marie-Dominique ne se réduit pas à des formules, mais devient une expérience de vie. Elle est source de joie profonde qui découle de l'amour pour le Seigneur. Devenue fille de Marie Auxiliatrice, Marie-Dominique se dépense sans compter pour ses sœurs. Elle leur écrit, « Je te recommande de ne jamais te décourager. Par l'humilité et la prière, nous gardons Dieu près de nous et quand Dieu est avec nous, tout va bien. Courage, reste joyeuse et rends joyeuse toutes les sœurs qui sont avec toi. » Le Seigneur nous aime. Aujourd'hui, laissons-nous interpeller par l'exemple de la vie de prière de la famille Madjaré ou de Marie-Dominique. L'exemple de cohérence des parents dans une simplicité de vie est un appel pour nos familles à redécouvrir la prière en famille avec les enfants. La prière en famille avec les enfants fait des miracles dans leur éducation,
dans leur croissance comme personne humaine et comme bon chrétien. La vie de Sainte Marie-Dominique est un bel exemple. Elle est le fruit d'une bonne éducation chrétienne basée sur des valeurs. Sainte Marie-Dominique invite tous les enfants et jeunes à s'ouvrir aux valeurs que proposent les parents dans un dialogue intergénérationnel, comme le suggère le pape François. Que cela soit ainsi pour nos familles. Thank you.